Alors, bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Nous qui parlons cette belle langue de Molière et qui voulons tout savoir. Quand ça se passe, pourquoi ça se passe? Les changements climatiques, le grand minimum solaire, l'intensité de l'activité sismique et volcanique, les grandes perturbations qui nous attendent, et plus encore, et des fois des belles aurores boréales causées par des tempêtes géomagnétiques. Dans ces... Maintenant, écoutez, on est le 16 mai 2019, 8h59, heure du Québec. On a parlé beaucoup ces derniers jours, hein? Je vous ai partagé les informations concernant les tempêtes géomagnétiques et entre autres ce que ça amène, bon, perturbation, intensification de l'activité sismique, perturbation de l'électronique, de tous les systèmes de télécommunication aussi, mais aussi des beaux côtés à ça, un spectacle magnifique d'aurore boréale un peu partout au Canada. Hein, ce magnétisme, ces électrons qui entrent dans l'atmosphère, ben, ça crée des aurores boréales. Et on a des images ici, gracieuseté de Radio Tralala, pour une fois, ils servent à quelque chose. Nos taxes et nos impôts, hein, 3 milliards de dollars en budget à Radio Tralala pour des émissions d'endoctrinement, de bêtises humaines et d'idioties, mais au moins là, on a un petit bout sur ce qui s'est passé ces dernières 48 heures avec des tempêtes géomagnétiques et des belles aurores observées. Boréales sont des particules chargées qui se déplacent le long du vent solaire et interagissent avec différentes molécules de l'atmosphère. Les Canadiens amateurs de phénomènes naturels auront l'occasion d'observer, mais auront eu l'occasion d'observer des aurores boréales pour une deuxième nuit consécutive selon le Centre de prévision météorologique spatiale de l'Agence spatiale américaine, la NASA. Les particules du Soleil pourraient pénétrer dans le champ magnétique terrestre vers le 14 et le 15 mai. En Amérique du Nord, une zone d'activité magnétique autour d'une tache solaire et à l'intérieur de celle-ci, à l'origine du phénomène, explique la communicatrice scientifique au planétarium du musée du Manitoba, Emily McIntosh, qui oublie de nous signaler que c'est une tempête solaire et que c'est rempli de particules et d'électrons et d'électromagnétisme. Dans la nuit de lundi à mardi, une ouverture dans notre champ magnétique a permis aux particules de circuler vers l'intérieur, ce qui a produit des aurores boréales qui ont pu être observées jusqu'en Iowa. C'est un phénomène normal qui nous donne l'occasion d'observer une météo spatiale impressionnante, affirme Mme McIntosh. Le Soleil passe par un cycle d'activité tous les 11 ans. Dernièrement, la situation était au calme. Cependant, au cours des deux dernières semaines, le Soleil s'est activé, ce qui a augmenté les chances de voir de l'activité magnétique sur la Terre. Les aurores boréales sont causées par des particules chargées qui se déplacent le long du vent solaire et interagissent avec différentes molécules de l'atmosphère de temps à autre. Une tache solaire peut propulser ses particules beaucoup plus rapidement vers la Terre. Habituellement, notre magnétosphère agit comme un bouclier autour de la planète, empêchant la plupart des particules de pénétrer, mais de temps en temps, une ouverture dans le champ magnétique se crée. Emily McIntosh explique que les aurores boréales sont fréquentes dans le nord du Canada car elles se déplacent le long des lignes de champ magnétique de l'aurore, de l'ovale auroral autour des pôles. Parfois, l'ovale se déplace plus au sud, ce qui permet à plus de personnes d'assister à ce spectacle de lumière. Donc, pour un petit conseil pour ceux qui souhaitent prendre des photos d'aurore boréale, vous pouvez configurer votre appareil à une exposition de 8 à 15 secondes avec une sensibilité ISO de 1600 à F4 ou moins. Merci à Radio Tralala, qui est subventionnée à 100% par nos taxes et impôts, 3 milliards de dollars. 3 milliards. De dollars, 3 milliards, des fois 4 milliards. Sûrement, on arrive proche du 5 milliards pour se faire endoctriner par le système canadien. C'est extraordinaire, non?